Louis de Funès a marqué toute une génération et continue encore de le faire, 39 ans après sa mort. Alors que France 2 diffuse, ce dimanche 17 avril, la grande vadrouille, Closer a décidé de s'intéresser aux femmes qui ont marqué la vie du célèbre comédien. Le 27 avril 1936, Louis de Funès épouse à Saint-Étienne sa première femme, Germaine Caroyer. De cette union naîtra Daniel. Trois ans plus tard, le couple se sépare. Pourtant, il faudra attendre 1942 pour que le divorce soit officiellement prononcé. Alors qu'il ne connaît pas encore le succès, il fait la connaissance de celle qui deviendra sa deuxième femme, Jeanne Barthélémy. En 1943, les deux amoureux se disent oui pour le plus grand bonheur du comédien. Un an plus tard, un enfant, le deuxième pour l'acteur, Patrick, vient agrandir la famille, suivi d'un troisième garçon, Olivier, en 1949. Ce dernier jouera d'ailleurs dans plusieurs films de son papa quelques années plus tard. Alors que Louis de Funès ne rêve que d'une seule chose, devenir comédien et faire rire les Français, il a pu compter sur le soutien de Jeanne Barthélémy. En effet, elle a toujours été derrière lui pour le motiver à atteindre ses objectifs. Et elle avait raison puisque le travail a fini par payer. Même si elle est toujours restée dans l'ombre de son mari, elle a joué un rôle très important dans sa carrière. En effet, c'est elle qui s'occupait d'accepter les scénarios et de négocier les contrats de son mari. Très jalouse, elle choisissait également les comédiennes qui allaient incarner le rôle de l'épouse de son mari à l'écran. Jeanne Barthélémy a parlé de Louis de Funès jusqu'à sa mort. C'est d'ailleurs elle qui a choisi Claude Jansac pour jouer à l'écran l'épouse de Louis de Funès, dans la saga des gendarmes. Je pense que seule sa femme pouvait le gérer et le calmer. Elle l'a beaucoup soutenu, avait-elle déclaré au sujet de Jeanne Barthélémy. Jusqu'à sa mort en 2015, elle a continué de faire vivre l'image de son mari, Louis de Funès. Loading Widget.